Salutations, personne de tout genre, et bienvenue dans cette nouvelle VOD. On continue du coup l'aventure de Forgive Me Father. Après avoir fait un petit. Un petit gros combat. I used to research things that open one's mind to things that should never be known. This place, besides providing knowledge, used to plant seeds of unease. This is where questioning everything began. In the lecture halls, you could hear whispers about secrets which understanding led to darkness. Alors pour le coup, non, c'est pas les remakes non plus. C'est il reparle pas exactement du jeu qu'il a déjà fait. Il parle d'un truc dont il n'avait pas parlé encore. Non mais c'est juste en fait l'humour qui habille la vidéo que j'ai trouvé un peu chiant. La partie sur les jeux en elle-même est assez cool. Ferait les remakes. Attends, du coup, j'ai peut-être mal compris alors. Parce que là, du coup, c'était sur les jeux Superman, mais. Je crois pas qu'il ait parlé de remake dedans. Après, j'ai peut-être mal suivi aussi. Diras en tout cas ce que t'en as pensé, si t'as trouvé que c'était cool ou pas. Déjà hype pour l'heure de boire. Mais même avec une lampe, on voit rien. Ça, c'est pas cool, ça. Aïe. Ah, ok, c'est pas impossible. Mais le boulot, ça te plaît quand même toujours, Yamé? Malgré le fait que t'en avais beaucoup. Je déteste qu'on voit rien dans un jeu. Alors si en plus on voit rien alors qu'on a une lampe. This energy is like a wild beast, almost impossible to tame, and ready to destroy everything in its path. Power and control rarely go hand in hand. What was meant to serve progress now serves as a tool of madness. Ah d'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, vous avez suivi l'annonce là qui a été faite pour les Games Awards? Je sais pas si vous avez vu passer le truc. C'était si adorable que ça, Clem. Pas sûr.
Non. Bah, ils ont annoncé que maintenant, pour les Games Awards, tu pouvais recevoir des prix, même si t'avais juste sorti un DLC. Ou si tu avais sorti un jeu en alpha, tu vois. Donc en gros, le jeu de l'année, ça peut être une alpha ou un DLC. Genre normal. Donc ma théorie est la suivante. C'est que vu que tous les AAA c'était de la merde cette année, ils se sont dit, bon, les seuls qui vont nous payer c'est Elden Ring et compagnie. Du coup, bah, autorisons-leur de gagner des prix et puis comme ça... Mais bon, le problème, c'est que je suis pas sûr que les jeux indés aient les moyens de se payer Jeff Kelly. Ah mais franchement le dernier jeu South Park était tellement incroyable, il mérite clairement d'être le GOTY. Hein. Ou Caravan Sandwich. Selon beaucoup de gens, c'est le GOTY de l'année. Hein. D'ailleurs j'ai reçu des super commentaires sur ma vidéo de Caravan Sandwich. C'était incroyable. Il me met aussi mal à l'aise que Mr Beast, on est d'accord. Et salut Alix, bah ça va et toi? Ouais non mais du coup c'est ça, hein, c'est Elden Ring qui va gagner je pense cette année. Pas faire gagner Wukong parce qu'il y a eu trop de polémiques dessus. Et puis en plus, ce serait reconnaître que il y a des jeux qui peuvent sortir ailleurs qu'aux États-Unis, donc ça leur plairait pas. Meilleur jeu pack booster Call of Duty 6. Horrible. En vrai, je suis étonné que quand il y avait Among Us, il ait pas gagné un truc du genre. Ça m'aurait pas plus étonné que ça. Mais bon, je trouve ça juste triste en fait qu'ils essaient pas de se tourner un peu plus vers les jeux indés, tu vois. Prendre un peu de risque et se dire bon bah cette année ce sera autre chose. We used to explore the great mysteries of the cosmos here. This place was like a window into the universe, but also a void that we are not able to understand. Ah parfait Xana. Strap a été nommé au GOTY. Non, il avait gagné le jeu, mais. Enfin, il avait gagné le prix du meilleur jeu indé, alors que techniquement, c'est pas vraiment un jeu indé. Merde. Je pensais que je pourrais sauter dessus. Oui, Among Us était sorti avant le Covid.
Est-ce que j'aurais pas réussi à me coincer comme un débile? Non. Moyen de remonter. La remontada. Il y a moyen de remonter, mais... Tu dis ça, mais il l'avait déjà fait un peu une fois, Yame, ce coup-là à Hollywood. Que vous avez fait gagner The Artist. Le jeu était français, enfin le film était français techniquement, mais la moitié de l'équipe était américaine, tu vois. Donc finalement, il s'était juste fait gagner eux d'une certaine manière. Et salut Technocraft. Imagine, tu serais resté coincé. Bah, on aurait relancé, puis voilà. Bah, Pacific Drive, moi j'avoue, j'ai pas accroché plus que ça. Ouais. On l'a fait, mais je trouvais que les parties en voiture étaient assez insupportables et j'ai pas accroché. En plus, il est sorti un peu bugué. C'était pas le film du meilleur film étranger, c'était le meilleur film tout court. Ouais. Bah si, c'est par... putain, j'ai oublié comment il s'appelle. C'est par le réalisateur du coup de... OSS 117 et tout. Par Weinstein, bah, comme énormément de films à l'époque. Le Seigneur des Anneaux aussi. Même si dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un orc qui représente Weinstein. Azanavicius, merci. Bah tu sais l'orc qui a le visage à moitié défoncé dans le troisième, et ben en fait ils se sont inspirés des traits du visage de Weinstein pour faire l'orc. Parce qu'il l'aimait pas des masses. Celui qui prend le rocher, tout à fait. Et c'est vrai que quand tu sais ça, c'est vrai qu'il ressemble un peu.
nouvelle catégorie pour le Games Award, le AAA le moins buggé. Et le jeu sorti fini cette année et... Bon, il n'y en a pas cette année, mais on réessayera l'année prochaine. Sparks leap between the wires, as if this place was still alive. This is where science has crossed the boundaries of reason. It looks c'est très grave comme constat, c'est un peu triste. Je crois qu'il j'oubliais plein de trucs là-haut. Et heureux m'a dit... Avant de continuer, j'aimerais bien retourner en haut. Et relit. Je cherchais sur mes lunettes, elles étaient bien sûr sur ma tête. Au moins tu les as trouvées. Le jeu annoncé depuis 5 ans et qui sort enfin est Silksong. Ouais. Non, il sortira jamais ce jeu, je pense. Non, en vrai, y a moyen qu'il sorte un jour. Mais je pense que c'est clairement pas pour tout de suite. Cadeau. Et bah vas-y, on va boire. Moi je dis, Silksong il va sortir le même jour qu'Half-Life 3. Attendez. Et GG Garvugo pour le niveau 165, Xana le niveau 27, Divine le niveau 7 et Billy le niveau 11. C'est quoi le but du jeu? Tabasser plein de gens parce qu'ils sont méchants. Et quand on est méchant, c'est pas gentil. Ah, sérieux, j'avais tout fait là-haut? J'étais persuadé qu'il y avait des portes que j'avais pas prises. Bon bah écoutez, j'ai fait demi-tour pour rien, autant pour moi. Bah j'avais oublié de le faire, donc merci de l'avoir fait, pour le coup, Maddy. J'ai cru que j'étais mort. None ever wanted to stop all this madness. Bam. Bonne nuit, Clotaire. Bon dodo. Sympa la déco ici.
D'horloge. Le nom du jeu en français, c'est Pardonne-moi mon père, exactement. Pardonne-moi mon père, j'ai pommier. J'en suis pas fier de celle-ci. Je suis fier perso. Ah merci Clem. Saperli Patoun. Mais qu'est-ce que donc que tout cela? Comme diraient les jeunes. A plus Letty, merci beaucoup d'être passé. D'accord. J'ai raté. C'est ici qu'il faut que j'aille. Ok. Oh le vilain. À devenir un peu meilleur quand même. Il y a un ennemi qu'on n'a pas tué. Ok. Bah écoutez, il aura survécu. GG à lui. Sous-sol. I avoided going that deep even when I was a student. This basement always gave me the chills. As if something was lurking in the shadows. Darkness has swallowed almost everything. I feel a fear growing inside me with each step. As if something in my head was whispering that I shouldn't be here. Je crois que je sais ce qu'il lui disait de pas être là. Salut Nolwenn. C'est quoi mon plat préféré? Je sais pas. Le crumble. D'ailleurs, on s'est fait un super crumble la dernière fois.
Il était trop bon, d'accord. J'avoue, Xana, je sais même pas ce que c'est un carcadet. J'imagine que c'est le plus vieux des cars du coin. Et dans le crumble, il y a Rome. C'est vrai que si t'ajoutes des lettres... Mais tu peux pas voler mon crumble, je l'ai déjà mangé, Mati. Ou alors ce que t'as récupéré, c'est le crumble après coup, et je suis pas sûr que t'aies envie d'avoir ça. Pas du tout, moi, ça me casse les couilles. Bah, en fait, tu vois de quelle direction il t'envoie, tu vois, et le but c'est d'avancer en se cachant, mais j'avoue que je déteste ne pas voir ce que je fais. Je trouve que c'est un peu l'option de facilité pour rendre ton jeu dur, c'est juste, bah, tu vois rien. Mais t'es là, tu dis bah oui, mais c'est juste que je vois rien en fait. C'est pas que le jeu est dur, c'est que je vois que dalle. C'est un peu ce que font la moitié des jeux d'horreur et ça me saoule un peu. C'est pour ça que je joue pas aux jeux d'horreur, c'est la merde. Oui, c'est ça. Après, au moins, il y a des accès pour contourner, mais bon. Ok. Bon. This darkness is not simply a lack of light. It pierces your mind and soul. Every shadow seems to have eyes, and every sound carries the echo of your fear. It resides in your deepest memories, reflected in the darkness. Je sens qu'il va y avoir de la baston. Je sais pas pourquoi. J'ai comme l'impression qu'on va se bastonner un peu. Ah.
je me concentre un peu. C'est vrai, ils ont pas mis des ennemis trop chiants non plus. Quoi. Ils sont nombreux, mais. Mais ça va. D'accord. Mais c'est quand même... Enfin, vraiment, ça m'étonne hein, ce que tu dis, Eloïn, le fait que les Sims soient toujours aussi buggés. Designed to protect or contain something. It's not natural. What are they hiding? Them gates are like living things. Touch them carelessly and they will inflict immense pain upon you. Bonjour. Il dit qu'il y avait peut-être besoin de faire un peu le ménage. Et t'as pas des modeurs ou des gens comme ça qui ont corrigé les problèmes ? Parce que des fois, il y a des gens, ils le font à leur place. Regardez, j'avoue. Quelqu'un. J'ai cru que j'avais réussi à me coincer. Mais non, ça va. Ah, et comment va petit chat? Et heureux du coup, garde Hugo. Dis-vous en faisant peur? Bah, tu sais, il suffit de regarder ma tête, et puis ça fait déjà assez peur comme ça. Pas envie de trop vous effrayer non plus. Toute la place. Est-ce qu'il prend toute la place? Ou est-ce qu'il prend juste la place qui lui revient de droit? Parce que c'est pas pareil. Est-ce que j'aurais pas oublié une clé quelque part? Non. La place sur le lit. Bah ouais, mais t'avais qu'à acheter un deuxième lit aussi. On va dire, tu peux t'en prendre qu'à toi-même.
Ça achète un seul lit pour toi et le chat. Et ensuite, ça se plaint que le chat, il prend le lit. C'est vrai que tu peux avoir un appartement pour le chat et un appartement pour toi. Ouais, non, c'est ça, je l'ai pas la clé jaune. Pas que je veux pas, mais... Je prends note de tous vos remarques. Merci. Je sais pas du tout où aller. C'est trop bizarre. Jusqu'alors, le truc était vraiment parfait en termes de level design, et là, j'avoue que ça m'a perdu. J'ai pas fait. One spark and everything here goes boom. I need to move carefully. Every step may be my last. It would be a shame if it tripped. Survécu. Eh, j'avais survécu. Merci pour la rose. Bon, attendez, je vais tester un truc. One spark and everything here goes boom. I need to move carefully. Every step may be my last. It would be a shame if you tripped. Ah, c'est pas impossible que ce soit le même, hein. Ce genre de voix, en général, ils aiment bien. Ouais, j'avais survécu tout à l'heure. J'ai envie de tuer tout le monde, moi. Désolé, hein. Mais du coup, lui... Oui, m'a dit.
poubelle. Mais il survit trop aussi. Et re-letti. Et GG Yamé pour le niveau 114, Eloïne le niveau 19. Attends, avant je vais aller dire au revoir à mon chat. Fais donc. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour... C'est bizarre quand même. Ok. Bah écoutez. On va réessayer de manière un peu plus calme. One spark and everything here goes boom. I need to move carefully. Every step may be my last. It would be a shame if you tripped. Oups. Tu sens à chaque fois la petite tête de qui a fait une bêtise. Boom. I need to move carefully. Every step may be my last. It would be a shame if you tripped. Que je suis obstiné, oui. Fatigué? Non, je suis pas fatigué. One spark and everything here goes. Ça fait pas que 2 heures que je suis en live, ça fait 3 heures. I need to move carefully. Every step may be my last. Bah je pense aussi ouais, qu'il y a moyen de réussir. It would be a shame if you dreamt. Ouais, faut que je trouve un moyen de tuer les méchants assez rapidement. À chaque fois il y a trois. Hey. Ça a l'air pas mal. Le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de vie. Enfin, c'est pas fini encore.
Exactement, Yemi. Fuck! Non, j'ai pas la réflexion. Et si je commence directement en mode... J'ai une autre théorie. One spark and everything here goes boom. Mais qui est un peu nul. I need to move carefully. Every step may be my last. It would be a shame if you dreamt. C'était pas si nul. Bon, le problème, c'est que ça a pas tué tout le monde. Oh, genre, il était pas mort. D'activer mon truc. Bon, moi cette fois-ci j'ai fini avec toute ma vie. Trop résistant comme papy. Comment tu l'as fait ? It would be a shame if you dreamt. Ah, mais putain. Le film, non, le mien, il était collabo. Ah. Du coup, on disait. Comme ça. Et ça a vachement bien, vachement moins bien marché. And everything here goes boom. I need to move carefully. Every step may be my last. It would be a shame if you dreamt. J'ai fini le live vers quelle heure ? Aucune idée, je pense qu'on... On finit cette partie de du jeu et ensuite je ferai peut-être une partie d'Isaac avant d'aller me coucher et puis voilà. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de se retrouver de la vie à l'étage et revenir après. Ah ouais, non mais ça continue ici. Ok. Ouais, bah je pense qu'on va oublier. Hein. Quoi que cela dit, c'est un point de sauvegarde. Oh. Thank you.
Oui, tu parles de ton papy. Papy, oui, c'est vrai qu'il devait être assez jeune. Parce qu'il y a des fois, les gens utilisent papy pour arrière-grand-père aussi. C'est pour ça, ça me choquait pas plus que ça au départ. Bon. Non, mais j'en ai marre. Je comprends pas pourquoi il meurt pas. Oui, faut pas chercher, des fois j'ai des idées à la con. Et c'est dur de me les enlever. Ça te rend le stream fun ? Bon, ça va alors. Où est-ce que je peux me mettre pour pouvoir leur tirer dessus et les voir arriver? Hey. Je crois qu'on a tout détruit. Voilà. Tu auras demandé quoi? 56 essais? Voilà. Viens, dis. Pas bien se suicider sans truc. Voilà. Merde. Bon, ça reprend où? Non. Oh, attendez. Je reviens. Pardon, madame. J'arrive. Petite pause dans la VOD à partir de maintenant. Pourquoi il n'y a pas de son? Ah. D'accord, c'est juste mon casque qui a baissé le son de ouf. Voilà. Et du coup, c'est chiant parce que ça fait qu'on est obligé de retourner en bas encore. Ça, ça me saoule. C'est abusé qu'il soit pas mort.
mais j'aurais dû recharger. Mais putain, mais j'avais rechargé là. Et je sais pas si elle est bientôt finie la partie, m'a dit. Mais si vous voulez aller vous coucher, allez vous coucher. Y a pas de souci. Mais je le connais pas le jeu, je le découvre en même temps que vous, donc je ne sais pas. Non, j'avoue que par contre, j'espère que ça va pas être comme ça jusqu'à la fin du jeu maintenant et que ce sera pas tu vois rien et puis tu vas te faire foutre. Oh. Et bienvenue! Comment ça va? J'attends que tu arrives officiellement. Je mets sur pause pour accueillir quand même. Et coucou Mika, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Si tu as des questions sur le stream sur lequel tu débarques, n'hésite surtout pas. C'était comment, Carrie the Glass? Hello! Trop bien, le jeu a l'air sympa. Ah! J'aime trop les jeux que tu fais. Ah ben, il y a un petit peu de tout. Des fois, il y a du bon, des fois, il y a du moins bon. Et salut, Johan's World, comment tu vas? Ça fait longtemps. En tout cas, voici ton petit coffre de raid pour t'accueillir comme il se doit ou pas du tout. Dans 3, dans 2, dans 1. Bienvenue à toi, tu viens de gagner un excellent coffre de raid. Bon, par contre, pas de chance, t'es pas tombé sur le plus inspiré. Ah. Mais quel accueil incroyable! Et bienvenue! Et du coup, c'était quoi, Carrie the Glass? Ça me dit rien du tout. J'imagine que c'est un jeu où il faut porter une vitre. Qui semblerait assez logique. Oh mais va te faire foutre mes jeux de con putain. J'ai acheté Chant of Sinar après t'avoir vu dessus. Ah. Ah tu me connaissais déjà à l'époque? Oh. Et bonne nuit Halloween. Merci d'être passé. Mais ouais, Chant of Sinar, très très bon jeu. Là, j'ai vraiment fait du caca boudin, comme disaient les très jeunes. Petit jeu coop, on a brisé notre amitié, mais c'est ça qui est beau. Dans les jeux, tu peux aussi bien te créer des amitiés qu'en détruire. C'est toute la beauté de cet art. Trop chouette, mais très dur. Ok. Je sens que c'est le genre de jeu qui me rendrait fou. Rien que le nom. Je sens que c'est le genre de jeu où moi je pèterais vite un câble. Non. Parce que si c'est le genre de jeu où faut être super coordonné et faire attention du coup à ce que fait l'autre et tout. Je pense que c'est le genre de jeu où je meurs beaucoup trop. On avait fait un jeu avec des espèces de pingouins qui doivent grimper une montagne, c'était une horreur. Insupportable.
niveau de ma vie. Ça va? Ils se sont tous suicidés? C'est bon. Donc c'est ici qu'il faut faire gaffe. Parce que c'est ici qu'ils m'ont tué tout à l'heure. Et GG Elohim qui part en passant niveau 20. Incroyable. Divine Esthétique qui passe niveau 8. Et Flaubert niveau 4. GG. Ah toi, Maddy, tu m'as connu début septembre. Ah, ça fait si peu de temps. Toi, je pensais que c'était plus. Mais ouais, jeu coop. Par contre, si vous avez des jeux coop mignons à conseiller, j'aimerais bien en refaire. J'ai l'impression que c'est souvent genre soit énigme, soit des trucs ultra durs. Mais genre des jeux coop en mode mignon, il y en a pas des masses. Ici. Incroyable. Ça, ça veut dire rien de la baston. Ouais. On n'est pas mouru. Ah, j'entends une... Mais du coup, ouais, pour ceux qui ne connaissaient pas ce jeu, c'est Forgive Me Father. C'est très très cool, c'est un Dooms-like. Par contre, c'est assez punitif. Vraiment, les ennemis font très très mal. Là, ça va, on est tombé sur des niveaux qui étaient mieux construits que les autres. Mais on est tombé sur 2-3 niveaux la dernière fois où c'était une horreur. Parce que tu te retrouvais dans un tout petit embranchement et depuis cet endroit-là, fallait que tu arrives à survivre. Parce que bah, quand t'es entouré de monstres, va ne pas te faire toucher si t'es dans 2 mètres carrés, c'est très compliqué. Par contre, là, on voit que dalle. Aïe. Oui, je suis retombé jusque là, quoi. Pas, pas cool. J'ose le dire, c'est pas cool. Et salut Melvin! Comment on va? Oh, du lore, incroyable. Ah mince. Bon, c'est pas grave. Non.
Point de contrôle. Putain, c'est toujours pas fini. Ah. Oh, mais c'est plus mignon. Ahoy, aussi. Ah merde, ça m'en renvoie ici, mais quel con. Des fois, je me fatigue. Mais c'était pas clair, moi je croyais avoir trouvé un endroit secret et tout. Et en fait, bah, c'était pas si secret. Et ça me renvoyait juste en arrière. Profitons-en pour écouter, voir si on n'entend pas d'autres. Ah ? J'en entends une. Alors je crois savoir où elle est. On va essayer d'arnaquer le game. Ouais, elle est là-dedans, mais comment je vais là-dedans? Là, j'avoue, je l'ai pas. Ah, ok. Je monte là-dessus. Et ensuite là-dessus. Ah, mais j'avais réussi à la détruire quand même. J'avais réussi. Et là, je me fous moi-même dans le... dans les rayons bleus. Et je meurs. C'est ça que Emma va se moquer après. Du coup, je vais être très triste. Oui. Là, j'en entends pas d'autres. Tant qu'à faire, hein, on fouille un peu. Et déjà minuit. Incroyable. Mais du coup, ronflex, Miniclem. Chop. Ah. Vous allez voir qu'encore une fois, je les aurai quand même pas tous. C'est horrible, j'ai l'impression d'en entendre à chaque fois. Là, c'était parce que c'était le cas. Bon. Allez. Je peux pas aller hein, là-dedans. Non. Et ici, y a rien. Eh ben, cassons-nous! Quoi? Ah non, si, quand même. J'allais dire, attends, si j'ai pas tué tous les ennemis, là, avec tout le mal qu'on s'est donné. Mais si, c'est bon. Incroyable! Bah, allons voir l'asile. Est-ce qu'on a obtenu assez de trucs pour acheter un nouveau flingue? Oui!
bah voilà, on découvrira ça la prochaine fois. En tout cas, pour ce qui est de cette VOD, on s'arrête là. Des bisous et à la prochaine. Salut, salut.